Bonsoir, ça suffit. À peine le travail, c'est la réussite. Pour pouvoir réussir, il faut travailler. Cannavaro, le diamantaire. Alors, bon.
tous les amis de Vette, comment allez-vous? J'espère que vous allez très, 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 très bien. Voilà. J'ai une vidéo que je cherche. Il y a quelque chose que je cherche là. Aujourd'hui, on va parler de la nacre. Vous savez que... Vous savez que, comment on appelle ça? Je vais enregistrer là-haut. Merci beaucoup, Estom. Actuellement, on parle de la nacre. Voilà. Donc, c'est la nacre qui est au de sujet. Donc, vous allez partager mon live. Voilà, avant qu'on ne commence à jouer les voices. La lumière n'est même pas faute. Que je suis un peu noire. Ah, là, c'est bon. Voilà, bipez tout le monde, bipez aux amis. Voilà, là, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Là. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bon. C'est bon un peu comme ça. Les amis, devaient partager le live. Partager, on a 12 partages, c'est pas normal. C'est même pas normal, partager le live. Voilà, partager le live, on a 12 partages, c'est même pas normal. Voilà, partager, avant que je ne commence le live, on a 12 partages, c'est pas du tout normal. Ces derniers temps-là, vous ne voulez pas partager. Hein. Match est fini maintenant. On va voir ceci, quoi vous allez vous concentrer deux jours-là. Match est fini, hein? Il n'y a plus de ballon, hein? Il n'y a plus de ballon, oh. Merci beaucoup, Sabrina Estecano. Ouais, c'est ça que je vais mettre deux jours là sur ma tête. Il n'y a plus de ballon, oh. Donc là, mettez les cœurs, partagez les lives. On va faire notre truc. On va continuer. Voilà. Les gens là, où ils sont là, ils cherchent ma facture de méta. Où ils sont là, ils cherchent, comment on appelle ça? Ils cherchent... Il cherche buzz. Voilà, donc. Voilà, donc là, du coup. Du coup, là. Voilà, parce que c'est quand est fini. Eux, tous étaient concentrés sur Kana. Donc là, vous, au moins, pendant la Kana, il y a animé Facebook ici. Facebook était bien animé. Jusqu'à même, j'ai fait des buzz ici. Ça a pris. Donc, partagez le live. Voilà, partagez le live. Les partages sont peu partagés. On va commencer ce soir. On va jouer des voix. Voilà, on va attendre des voix. Partagez. Parce que là, je ne peux pas faire live avec 100 personnes qui vont me regarder. Si ils voient qu'il n'y a pas trop de partage, il n'y a pas des gens là. Moi, je coupe et puis j'avance. Hein. Ah, je coupe et puis j'avance. Ma menace, ça va passer tranquillement, tranquille. Voilà. Donc, là. Partagez le live. Puis mettez-moi mes étoiles. Voilà, c'est parce qu'elle est calme et qu'il n'y a pas. Et je vais vous dire merci parce que le mois dernier, vous m'avez envoyé 900 et quelques dollars d'étoiles. Voilà. C'est le plus gros montant que j'ai eu. Le mois de, comment on appelle ça, janvier, là. Vous m'avez envoyé 900 dollars d'étoiles. Voilà. Du quoi, finalement, toi, tu peux pas avoir de vue. C'est pas possible. Faut que tu parles d'elle. Tous les jours, tu es obsédé par elle et ça devient un harcèlement. Emmanuel Manu, oui, c'est un harcèlement, oui. Je suis obsédé par elle, oui. Va faire ce que tu veux faire maintenant. Voilà. T'as compris?
Va faire ce que tu veux maintenant. T'as compris? Tout ce que tu as dit là, c'est ça. Et puis on est assis dessus. Maintenant, va faire ce que tu veux faire maintenant. D'accord? C'est bon pour toi? Voilà. C'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi? Hein? Est-ce que c'est bon pour toi maintenant? Il faut aller faire ce que tu veux faire en question. Les tribunaux sont vraiment... Vous êtes déjà fatigué pour aller au tribunal. Vous êtes déjà fatigué pour aller au tribunal. Sinon, les tribunaux sont ouverts pour vous. Hein. Il faut partir là-bas. Connerie. Bande de pleureuses et de pleureurs. Toujours passez votre temps à pleurer seulement. Vous passez votre temps seulement à pleurer. À pleurer. Vous n'êtes pas fatigué. Depuis combien d'années vous pleurez? Depuis, vous n'êtes pas fatigué. Tous les jours, tu mets le même commentaire. Tous les jours, tu mets le même commentaire. Quand je fais live, tu mets le même commentaire. Quand je fais live, c'est le même commentaire. Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte aussi. Tu n'es pas fatigué aussi. Arrête, dama. Tu es toujours calé sur mes lives pour me regarder. Pourtant, tu sais de quoi je vais parler toujours. Il n'y a pas de sujet, c'est ce que je sais. Mais tu es toujours là. Il faut changer. 2024, il faut changer. Quand tu vas changer, moi aussi, je vais changer. Bâtarde là. Mettez mes étoiles, les amis de bête. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour rire. Mettez mes étoiles et puis partagez-moi le live, s'il vous plaît, pour moi continuer. Donc, comme je le disais, merci beaucoup. Le mois, Facebook m'a envoyé ma facture. Vous m'avez envoyé 900$ d'étoiles. Voilà, merci beaucoup à vous. Ça a été vraiment un honneur pour moi. Voilà, c'est la meilleure team. La team de Facebook qui est là, qui est en tas. La meilleure des meilleures. Voilà, ça qu'il s'agit. Donc, mettez mes étoiles encore pour le mois de février. Le mois de février a démarré. Mettez mes étoiles. Mettez mes étoiles ce soir. Les étoiles doivent pleuvoir parce que là, j'ai framponné grave ce soir. Voilà, avec des voices. On va parler de la des perruques Chloé. L'anacte sur les perruques Chloé. C'est de ça qu'on va parler. Je vais jouer une partie des voices ce soir et l'autre partie des voices, on le fera demain. Donc, du coup, mettez mes étoiles. Mettez les étoiles avant que je ne commence à jouer les voices. Voilà. Je pense que je vais commencer un peu sur Daisy. Merci, Maya Yeo. C'est la paix du cœur, en fait. J'ai tellement la paix du cœur que. Voilà, même m'être réveillée, voilà, je... Voilà, quoi, c'est la peine que... C'est la paix du cœur qui fait ça. Voilà. Je viens du sommeil, là, mais ça va quand même. Alors, mettez, on va écouter un peu Daisy. Voilà, la voix de Daisy, la même. On va écouter un peu Daisy. Je ne sais pas si j'ai déjà joué ça, mais on va jouer. Le groupe là, vous aimez trop causer, c'est ça? Voilà, on va écouter un peu Daisy. Le temps que vous venez, et puis on va entrer dans le but du sujet. Je vais commencer le live avec 300 personnes. S'il n'y a pas 300 personnes, je ne commence pas le live des voix sur Emmanuel Keïta. Voilà. Donc, je vais commencer à 300 personnes, à 150 personnes. On va écouter Daisy et vous partager, puis vous mettez mes étoiles. On continue. Le groupe là, vous aimez trop causer, c'est ça? Si on a commencé là, causer, c'est causer, causer, causer. Et le peuple francophone, il y a beaucoup de causer, peu d'action. On cause, souvent ça finit pas, on cause, souvent ça finit pas. Même à la fin de l'année, là, je vais recenser. Il y a recensé moi-même en groupe. Et puis, on va accélérer. Ah! Sinon, là, c'est pour causer, 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 causer. 4h du matin, c'est causer. Les francophones, on a fini ça. Vous avez fini ça. Mais moi, mais je ne suis plus parmi vous. Actuellement, là, les Libanais me réclament. Donc, bientôt, là, mon cher, vous n'allez plus me gagner. Les Libanais, là, m'ont déjà adopté. Donc, je m'en vais là-bas comme ça. Préparez mon retour. Je vais la proposition pour celles qui n'ont pas vu dans le groupe Telegram ou qui ne peuvent pas réagir là-bas parce que apparemment c'est un peu plus compliqué que WhatsApp. Alors je disais que une proposition a été faite, bon pas que c'est une ancienne proposition mais qui est descendue à nous. Il s'agit d'ouvrir une cagnotte que chacune mette, on a fixé un minimum de 100 000. Chacune met ce qu'elle peut, 100 000, 1 million, 2 millions, 500 000. Et à la fin de la cagnotte, si on a pu récolter 50 millions ou 100 millions,
Daisy va nous faire une proposition selon les centres d'intérêt qui ont été manifestés. Alors, si on a eu 20% qui disent qu'elles veulent des vêtements, 30% qui veulent des meubles ou peu importe tout ce qui aura été demandé, elle va nous faire des propositions pour dire, bon, pour ce montant, vous pouvez avoir tel nombre de camions, et ça va revenir beaucoup moins cher que ce qui se fait en ce moment, et ça va être plus intéressant. Alors, le groupe là. Là, je suis en train de mettre, on va parler un peu de ça avant de commencer. C'est le sérum teinté de chez Brisé Skin. Voilà. C'est le sérum teinté de chez Brigitte Skin. D'accord? Je ne me suis pas maquillée parce que je voulais le faire ici. Voilà. Vous voyez? Il y a eu un changement. Je me rapproche pour que vous puissiez bien voir. Il y a eu un changement. Ce sérum teinté en question, c'est un maquillage et c'est un soin. Voilà. Pour toutes les personnes qui ne sont pas accro du make-up, qui veut juste mettre un petit truc, qui ne veut pas trop se maquiller, qui ne veut pas trop se maquiller en question, je vous conseillerais de prendre ce sérum en question. Même les femmes qui font, comment on appelle ça, le make-up aussi là, vous pouvez le prendre. Parce qu'il sera vraiment très, 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 très bon. Il sera vraiment très, très, très bon pour vous. Ce sérum là en question, il est traitant. Voilà. Il est traitant. Comment on appelle ça? Voilà. Donc on dit c'est une véritable révolutionnaire qui marie à la perfection le maquillage et les soins. Donc du coup, c'est-à-dire, c'est en deux en un, comme je l'ai l'habitude de le dire. Ce sérum en question, non seulement vous allez prendre pour vous maquiller, mais aussi il va soigner, traiter votre peau des imperfections. Voilà un peu. Donc, c'est un trotum, c'est un sérum pour trois types de peau. Pour la teint, pour le teint caramel, teint clair, teint noir, teint caramel et puis teint clair. Voilà, il y a trois teintes. Voilà, on peut. Donc, vous voyez ce sérum-là en question. C'est un très, 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 très bon sérum. Oui, c'est un très, 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 très bon sérum. Et c'est un très bon fond de teint. C'est un fond de teint. Voilà, moi, je l'ai pris aujourd'hui pour je le prends comme mon fond de teint. J'ai mon fond de teint ici qui est de Dior, mais je ne le prends plus. C'est celui-là que je prends. Donc, quand vous le mettez, vous voyez un peu comment j'ai fait là. Vous passez tout simplement avec votre doigt comme ça pour l'étaler. Vous voyez? Vous mettez juste un peu, hein? Ne mettez pas beaucoup. Voilà, vous mettez comme ça, vous voyez? Ça cache ici, vous voyez? Vous voyez? Et c'est comme si c'était un anti-fard aussi. Vous voyez, ça cache toutes les imperfections, ça y est, les antifas que j'ai, si vous voyez qu'il y a un changement sur mon visage. Vous voyez qu'il y a un changement sur mon visage. Vous voyez? Vous faites comme ça et la main d'abord. Voilà, vous faites comme ça et la main. Vous étalez bien. Vous voyez qu'il y a un changement. Vous étalez bien. Vous voyez le changement? Vous avez vu, non? Regarde, tout à l'heure, mon visage n'était pas comme ça. Hein. Voilà. Vous étalez bien. Ne mettez pas trop, trop, parce qu'il est quand même un peu concentré bien. Donc, si vous le prenez, ne mettez pas trop, trop. Attends, j'ai même pas mis un peu même ici. Même. Voilà. Voilà. Ne mettez pas trop, trop. Donc, on le tend comme ça avec les doigts. Vous voyez, non? On le tend comme ça avec les doigts. Vous voyez, un peu que j'ai mis là. Vous voyez comment ça est? On le tend comme ça avec les doigts. Ça y est, avec ce sérum-là, vous n'allez plus avoir besoin de durer pour faire un maquillage. Et il est hydratant. En même temps, il soigne. Voilà. Comme ça, ouais, ça sèche même en même temps. Et il ne salit pas. Ouais, regardez. Ce qui est bien, c'est qu'il ne salit pas. Mm-hmm. Ce n'est pas les fonds de teint quand tu mets et puis après, tu commences ça commence à salir ton habit. Même ça te salit d'une manière, il ne salit pas. Où est mon coton? Regardez. Vous voyez, regardez. Vous voyez. Est-ce que vous voyez un peu la magie? Regardez ce que je fais. Voilà. Il ne salit pas.
Quand tu le mets là, il ne salit pas. Il ne salit pas. Quand il sèche, c'est fini. Il ne salit pas. Il reste intact, collant. Voilà. Et maintenant, non, on l'étale avec la main d'abord. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il faut appliquer avec un pinceau ou un truc. On l'étale avec la main d'abord. Ce que je te dis là, faut faire. Voilà. C'est moi, Yvan, non? Voilà. C'est moi, Yvan, c'est pas moi, Yvan. Hein? Donc, maintenant, quand j'ai fait comme ça, j'ai bien étalé là. Je vais prendre mon blender maintenant pour tapoter un peu comme ça bien. Nous qui ne savons pas nous maquiller là, on a eu notre sérum en même temps. Il a dit, c'est fini, les maquillages bêtes, bêtes là. Quand il fait comme ça, va venir. Vous me regardez, le sérum va bien avec mon cou. Vous voyez que je n'ai pas mis sur mon cou. Regardez bien. Hein? Voilà. Vous voyez que je n'ai pas mis sur mon cou. Je n'ai pas mis sur ma peau. Regardez. Mais c'est uniforme. C'est uniforme avec mon visage. J'ai pris juste un peu. Voilà. 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 Et quand vous faites comme ça maintenant, là, je vais prendre maintenant ma poudre de chez Chanel en question. Peu importe votre poudre que vous avez, vous prenez juste un peu pour ne pas qu'il s'en sorte un peu trop brillant d'une manière. Vous prenez un peu comme ça. Vous faites comme ça. Non, mais il ne prend rien. Voilà. Faites comme ça. Faites comme ça. Et c'est bon. C'est ouvert comme ça, y est. Où est-ce que je suis devenue claire en même temps un coup, non? Où est mon visage? Comment ça y est? On appelle ce sérum-là le sérum teinté éclat et correcteur et correction. Il donne de l'éclat à la peau et il corrige la peau du visage. Est-ce que vous voyez? Pour ceux qui n'aiment pas les fonds de teint qui sont salissants ou même qui ne retrouvent pas leur teinte en question, je vous dis, il y a trois teintes. Teint clair, teint caramel et teint noir. Voilà. Vous prenez ça, vous aurez une très belle peau. Ça ne va pas couler, ça ne va pas descendre. Ce n'est pas un fond de teint coulé. C'est un fond de teint debout. Bien debout qu'elle a. Attendez le live avant qu'on ne commence le live. C'est un fond de teint bien debout qu'elle a. Vous voyez comment ça y est? Vous voyez mon visage? Voilà. Voilà. Tranquille, sans bruit, sans pression. Et quand vous finissez, vous pouvez mettre vos fausses teintes, comment on appelle ça? Le mascara, votre rouge à lèvres petit ici, levez un peu vos cils et puis c'est bon pour la journée. Votre visage ne sera pas chargé pour aller au travail. Votre visage ne sera pas lourd pour aller au travail. Et puis, quand vous revenez le soir du boulot, vous prenez votre démaquillant tranquillement, tranquille, et puis vous vous démaquillez dans la paix du Seigneur. Ce sera ma question, il ne coûte pas trop cher. Pour la voix, il faut que vous contactez Brigitte Skin. Bonsoir, beaux yeux. Partagez le live. On n'est même pas encore arrivé à 200 personnes depuis. C'est lourd aujourd'hui, là. Hein? Mais vous êtes encore de la victoire. C'est lourd, quoi. On n'est même pas encore arrivé à 200 personnes depuis. Parce que là, moi, à 21h30, je dois sortir. Donc, je vais couper mon live. Donc, partagez pour qu'on puisse commencer le live. Pendant que je fais la pause, je vais vous partager. Puis, on va commencer le live. Donc, vous voyez comment mon teint est. Regardez. Le teint, il est uniforme. Il est bien. Et on ne voit pas que le sérum a été trop appliqué. On ne sent pas que je me suis trop maquillée. C'est un truc qui est léger. Et c'est propre. Et c'est beau à voir. Donc, que tu sois... je vous conseillerais même de prendre ce sérum en tant que votre fond, en tant que le fond de teint de base de votre maquillage. Et vous n'allez pas le regretter. Ça y est, vous aurez... il ne sera pas comme les fonds de teint que vous utilisez habituellement. Ce ne sera pas la même chose. Parce que lui, il va traiter votre peau. Il va traiter votre peau comme il se doit. Et en même temps, il vous maquille. Voilà. Ça a été réfléchi par une Africaine qui l'a tellement bien fait. Souvent, on est assis, on attend que les Blancs fassent pour qu'on puisse payer, pour qu'on puisse voir la qualité. Mais je vous dis juste que ça, c'est la qualité. Ça là, c'est venu pour la pub. Quand ça a fini là, je vais le commander pour moi-même. Parce que voilà mon fond de teint Dieu que j'ai. Depuis quelques jours là, je ne l'utilise plus. Je ne fais plus rien avec mon fond de teint Dieu. Voilà ça qu'elle a. Je ne fais plus rien, ça. J'ai eu mon bonheur. Voilà. Publicité mise à part. C'est la bonne qualité. Vous me regardez un peu. Regardez un peu. Regardez. Je vais demander. Est-ce que j'ai eu besoin de mettre sur mon cou, sur ma peau? Non. C'est uniforme. Regardez. C'est même pas arrivé en bas de ma tête même. C'est uniforme. Le sérum, il est très bon.
Allez, peut-être maintenant, parce qu'actuellement, il y en a à gogo. Que chacune peut prendre son sérum en question. Que ce soit teint noir, teint caramel, teint clair, va prendre ton sérum et puis tu vas la voir auprès de toi. Il est vraiment bon. En même temps, il va corriger ta peau. C'est un traitant. C'est un sérum de soin. C'est un maquillage de soin. Et c'est important. Vous voyez comment il est? Vous voyez? Regardez un peu sa texture. Vous voyez la texture du sérum? Vous voyez la texture? C'est waouh! C'est juste waouh! Donc allez prendre votre sérum chez Brésil Skin au plus 337 83 49 05 68. Je reprends. Plus 337 83 49 05 68. C'est la meilleure qualité. Les amis des vêtements, je vous montre toujours les bonnes choses. Allez-y prendre votre sérum et vous allez venir me dire. C'est la meilleure qualité. Le meilleur sérum actuellement, vous voyez. Il est bien. Il y a de l'huile dedans. Il est bien. Avec une bonne texture. Bien pour déposer. Regardez comment je suis maintenant bien. Mon visage est bien. Tout à l'heure, mon visage, on sentait que j'étais endormie. Quand j'ai commencé le live tout à l'heure, on sentait que je venais de me réveiller. On sentait que, voilà, c'était pas ça. Mais quand j'ai mis mon sérum, regardez comment ça me donnait bonne mine. C'est un sérum bonne mine. Est-ce que j'ai eu besoin à faire beaucoup de make-up? Non. Là, je vais ajouter mon maquillage devant vous tout à l'heure. J'ai même mon rouge, j'allais simplement. Attends, je vais vous montrer comment moi je me maquille. Nous qui ne savons pas nous maquiller là. J'en ai eu dans ces quelques là. Moi, les maquillages qu'on fait boudou badan, je n'aime pas. Vous voyez. Voilà. Sylvia. Sylvia, comment tu te maquilles là? Sylvia, tu ne sais pas te maquiller, c'est fini. Voilà. Je ressens ma bellesse. Vous voyez maintenant? Je ressens ma bellesse. Voilà, vous voyez comme le sérum est bien. Voilà, vous voyez. Oh! Le sérum de chez Brigitte Skin. Oh, c'est trop. Vous voyez comment mon visage a changé un coup? Regardez un peu. Même pas beaucoup d'efforts. Hein. Vous voyez comment mon visage a changé un coup? Vous voyez? Ou même vous avez vu au début sinon. Voilà. Ça y est, avec le sérum teinté, en 10 minutes, tu as fini de te maquiller. En 5 minutes, regardez comment vous avez bien sorti maintenant. En 5 minutes, tu as fini de te maquiller. Attendez, j'ai levé un peu mes yeux. Vous voyez? Voilà. Je mets pas de truc. Je lève mes cils. Mes sourcils. Voilà. J'ai beaucoup de sourcils. Bien sûr, on dit quoi? Il y a longtemps. Hein? Voilà, vous voyez. Voilà. J'ai pas eu besoin de faire trop de maquillage. Vous voyez comment ça y est? J'ai fini. Bon, attendez mes petits points de beauté. C'est sur le côté. Avec mon eyeliner. Oh, voilà ça. Voilà ça. Voilà. J'ai fini de me maquiller. Vous voyez comme c'est rapide, non? Je n'ai pas duré dessus. Avec les produits de chez Brigitte Skin, avec Brigitte Skin, vous partez la contacter et vous allez payer votre sérum. Pour ceux qui sont à Paris, c'est le 45 boulevard, c'est le 45 boulevard de Strasbourg dans le 10e arrondissement de Paris pour avoir les produits de chez Brigitte Skin, le sérum teinté. Vous partez, c'est pas cher, ça coûte pas cher. Elle a aussi les savons. Il y a plusieurs savons. Base de curcuma, base de citron, à base de bave d'escargot. Il y a plusieurs savons chez les senteurs d'Arel. Oui, vous arrivez chez les senteurs d'Arel en question, que tu sois clair, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois blanche, métisse, violet, il y a ton savon là-bas. Tu arrives là-bas, c'est des savons bio-fabriqués. Oui, tu prends ton savon, non seulement ces savons sont tellement bons, et ils sont très bons pour la peau. Oui, ils nettoient, ils donnent de l'éclat à la peau. Ils donnent vraiment la beauté de la peau. Ça, je vous le dis en vérité. Tu es une femme qui prend des produits éclaircissants, tu prends le savon à base de curcuma, tu auras une très belle peau.
Voilà, tu auras une très belle peau. C'est-à-dire, avec tes savons, bonsoir, Tim, avec tes savons que tu utilises et que tu utilises, à côté, tu peux avoir les produits de chez les Santa d'Ariel, le savon de chez Santa d'Ariel, pour pouvoir te donner une bonne élasticité de la peau. Pour avoir une très belle peau. Voilà. Pour avoir une très belle peau et avoir de l'éclat de votre peau. Donc, contactez les savons, les produits, contactez les Santa d'Ariel au plus 337 83 49 05 68 pour avoir les savons. C'est des très bons savons. Là-bas, c'est des produits bio. Oui, c'est là-bas que vous pouvez aussi avoir les sérums teintés, le sérum teinté. Et aussi, on a aussi le complément alimentaire Belle Peau. Le complément alimentaire Belle Peau, c'est pour les personnes, bonsoir Mireille Omago. Le complément alimentaire Belle Peau, c'est pour les personnes qui prennent des produits éclaircissants, qui veulent s'éclaircir naturellement. Voilà, il est très bon. C'est un booster d'anti-âge. C'est un complément qui est vraiment très bien. Que si vous avez parmi vos pommades, votre pommade produit éclaircissant, ça vous fera du bien. Donc, on fait comme ça. Voilà, attention. Et on le boit. Il est composé de kératine, de glutathione, de collagène marin. Ce complément en question, il est fabriqué en France. Vous savez combien de fois en France, il y a de la rigueur sur les produits. Donc, pour ce qui est conséquence, pour ce qui est effet secondaire, ne vous en faites pas. Si vous respectez les doses prescrites, vous n'aurez rien. Donc, avec ce complément, c'est une ampoule par jour. Pas deux, pas trois. Mais une ampoule par jour. Vous buvez. Et puis vous continuez le cas. Non, le sérum a changé mon visage. Non, le sérum m'a rendu encore plus belle. Voilà. Vous buvez comme ça. Et puis vous allez arranger. Vous allez avoir une très belle peau. Donc, on retrouve ces compléments alimentaires au plus 337 83 49 05 68 chez les senteurs d'Araël. Elle livre partout. Je dis bien, elle livre partout dans le monde entier. Donc, toi qui veux payer le sérum teinté, toi qui veux payer les savons bio, toi qui veux payer les produits, comment on appelle ça, Belle Peau, le complément alimentaire Belle Peau, il faut aller sur le site Center d'Araël pour avoir les produits de chez Belle Peau. Les produits en question. Donc, vous allez, comment on appelle ça, sur le site et vous faites votre choix. Si c'est pour les savons, quand tu es noir, que tu es marron, que tu es clair, que tu veux vraiment un conseil pour les savons, vous contactez le plus 337 83 49 05 68 pour demander conseil et elles vont vous conseiller. Le service clé qui est là et ils vont vous conseiller pour avoir les savons, le savon qui conviendra à votre peau. Voilà. Donc, voilà un peu les produits de chez Brigitte Skyne, les produits de chez Center d'Araël. Voilà un peu. Et c'est, voilà, il y a les codes dessus, vous voyez. Il y a les codes. C'est fabrication française. Voilà. C'est fabrication française. Fabrication française. Bien fabriquée ici en Europe. Bien fabriquée ici, là-bas en France. Voilà. Fabrication française. La bonne qualité. Et ça, je vous le dis toujours. Sylvia, je serai là et je vous donnerai la bonne qualité. Donc, allez-y, go. Commencez à payer les choses. Alors, les amis de Vette, on a combien de partages? Moi, je vais couper live. Hein. Si vous ne partagez pas, je coupe le live et je m'en vais. Voilà, parce que dépôt national, on a 160 personnes. Vous pensez que vous ne pouvez pas poser avec 100 personnes. Il y a plus de ma pub, puis dépose et puis je m'en vais. Ne partagez pas. Hein. Ne partagez pas. Hein. Attendez, même d'abord des 1. Ne partagez pas. Je vais voir le nombre de partages. 86 partages. Il n'aura pas de voice. Voilà. Il n'aura pas de voice. 86 partages. Ça y est, vous avez fait 86 partages et on est là. Il n'aura pas de voice ce soir. C'est là que vous allez me connaître. Il n'aura pas de voice. Voilà. 86 partages, on est assis là. Depuis que vous êtes assis, vous me regardez. Vous êtes assis, on est partagé, on a commencé le live. Mais on peine même à arriver à 200 personnes. Il n'y a pas. Si on n'arrive pas à 300 personnes, je ne fais pas de live. Si vous ne faites pas 200 personnes, je ne fais pas de live. Il y a fini de faire ma chose, il m'en vais. Voilà. À mon avis, ça va passer tranquillement, tranquille. Et vous, allez-y payer les produits en question. À 21h30, là, je coupe le live. Bonsoir, mon chéri Coco d'Amour. Bonsoir, mon chéri Coco d'Amour. Voilà. À 21h, là, je coupe le live. À 21h30, même là, je coupe le live. Pas le temps. Donc, restez là. Voilà, le voice que je voulais vous montrer.
Pourquoi il n'y a personne ce soir? Les gens sont occupés à fêter. Ils ne sont pas occupés à fêter. Depuis quand eux, ils fêtent? Est-ce que vous partagez d'abord de eux? Vous avez partagé. Vous ne partagez pas, vous voulez que les gens viennent. Il n'y a même pas fait live. C'est là que vous allez me voir. Demain encore, je remets encore le même titre encore. Jusqu'à ce que vous, vous atteigniez le nom que je veux. Comment on appelle ça? Attends, je vois. Oui, il y a vos menaces aujourd'hui. Ah, il y a vos menaces. Vous dormez beaucoup en classe. Il y a vos menaces. C'était quand même. Il vous menace. Au deux semaines, il vous menace. Le 5 avril. Partagez. Il dit 200 personnes. On a en cela, c'est là. 200 personnes. Et puis, je commence à être 300 personnes en live. Si jusqu'à 20, il reste 10 minutes. Si jusqu'à 21h30, il n'y a pas là, je coupe. Moi, il a sorti. Voilà, j'ai me démarquer. Même il live bien, puis il sort. Voilà. Demain encore, je remets encore le même sujet encore. Au calme. Ma monétisation va passer. Et puis, mettez aussi mes étoiles. Voilà. Mettez aussi mes étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Attendez, où ça m'a demandé que c'est ici? Nanana. Yeah. C'est la Benio Mania. Voilà. Écoutez. Écoutez. Par la grâce de Dieu, je fais quelque chose. Oh putain, mais après, demain c'est bon. Donc pourquoi c'est là, je la bloque. Attendez, je viens. Voilà. Donc voici ça. Vous avez entendu. Donc restez là. Je sais pas ce qu'elle fout à chaque fois sur mes lives. C'est-à-dire, elle crée beaucoup de comptes pour venir regarder mes lives. Attendez, je vais bloquer quelqu'un rapidement. Voilà. Il te dit, hein, merci beaucoup. Quelle est la distance? Il vient chez toi en fait, c'est une là, même, rapidement. On va faire ça ensemble, bien. Partagez. Partagez. Vous ne partagez pas, il n'y aura pas de live aujourd'hui. Partagez. Moi, j'ai parlé de quoi avec 100 personnes. Depuis quand? Partagez bien. Demain, là, je reviens encore. Bonsoir Mayoti, comment tu vas? Non, aujourd'hui, il n'a pas joué. Il n'y avait pas 100 personnes. Hein? Il n'y avait pas un live avec 100 personnes. Il a fini de faire ma pub tranquille. Il ne fait pas un live avec 100 personnes. Et puis quand? Il reste 7 minutes, j'ai coupé le live. À vous de voir. Ah, attendez, il y a Idriss Diallo et puis il y a Sidi Diallo. C'est Sidi Diallo qui est mort. Maintenant, Idriss Diallo et puis Sidi Diallo là, c'est des frères et soeurs. Dites-moi un peu, il ne comprend pas. Sidi Diallo et puis Idriss Diallo, ils sont parents. Hein? On a 88 partages. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi?
question. Vous avez que vous n'avez pas répondu. Idriss Diallo. Idriss Diallo et puis Sidi Diallo, c'est la même famille. Hein? Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Hein? Répondez. Idriss Diallo et puis Sidi Diallo. C'est même famille, mais c'est fou, mais c'est pas même famille. Je ne comprends pas. Vous ne voulez pas répondre aujourd'hui. Vous êtes fâché. Vous êtes fâché aujourd'hui là. Il n'y a pas de bérée. Dans 4 minutes, je coupe le live. Comment on peut faire partage 88 partages pour assis? Et puis moi, j'ai fait le live avec 100 personnes. Il n'y a pas de... Oh, 93 partages. Oh, bon. Ça y est, vous êtes loin. Ça y est, même pour partager, vous ne voulez pas partager. Même mettre les cœurs, c'est promis pour vous aujourd'hui. Dans 4 minutes, je coupe mon live. Demain, je reviens encore le même sujet. Au calme. Parce que je vais m'asseoir pour faire live. Pour faire live. Et puis j'ai joué les voices. Et puis vous serez 100% pour me regarder. Pendant que vous ne voulez pas appuyer que c'est problème. Pour partager ses problèmes. Pour mettre et tomber ses problèmes. Aujourd'hui seulement là. Il ne fait pas live. Je vous dis ça en même temps. Parce que là, dans 3 minutes, je ne sais pas moi, je vais m'asseoir pour faire live. Si vous avez fait magie qu'on arrive à 300 personnes dans 3 minutes là, il fait live. Moi tout à l'heure, je dois m'apprêter pour sortir. Pas le temps. Je dois justement m'apprêter pour sortir avec le beau des beaux. Donc, je parle le temps. Je vous ai posé une question, là. Vous ne répondez pas à la question là. Ou bien vous. C'est pas pour les cannes que vous n'êtes pas souvent, vous savez, vous avez suivi cannes là. Hein? C'est pas vous qui avez suivi Kanna, c'est pas vous qui avez le ballon. Il dit ce dialogue là. Et puis si le dialogue c'est même frère. Vous répondez? Donc ballon que vous avez regardé, vous ne savez pas qui est ce dialogue, vous ne savez pas qui est ce dialogue. Répondez à la question. Yeah. Elle est en train de sucer sa langue. Elle est en train de sucer sa langue, elle fait comme ça. Quand elle est comme ça, elle suce la langue. À son vieux âge, là, elle suce encore sa langue. Regardez. Je suis langue. Je suis une suceuse. Ya chéri oyo, ya chéri oyo, eya moya chéri koko ye, eya moya chéri oyo, eya moya chéri koko ya. Quand son temps gère, quand son temps gère, depuis que tu m'as quitté, vraiment, je rêve à toi koko ya, je rêve à toi chéri koko ye, eh, je rêve à toi koko. Je rêve à toi, chérie Coco. Eya moya, chérie Oyo. Eya moya, chérie Coco. Eya moya, chérie Oyo. Eya moya, chérie Coco. Zeya ya godo. Zeya pa ma gogo. On t'attaque. Moi, il m'en vais. Mais moi, il m'en vais. Il est 21h30. Vous n'avez pas atteint l'objectif, moi je m'en vais. Oh, dis là seulement là. Vous avez joué. Aujourd'hui seulement, vous avez joué. Alors, je suis 0 suivant aujourd'hui là.
Demain, je joue les boys. Tant que vous n'atteignez pas les objectifs du live, je ne fais pas de live. Est-ce que vous pouvez me détester? Vous ne pouvez pas me détester. Quand on dit qu'on est peuple du Congo, ça. Ok, d'accord, bonne nuit. Quand on dit qu'on est peuple du Congo, ça là, on fait tout. D'abord, ça y est, pour l'histoire de votre vie, vous avez zéro sur vous aujourd'hui. D'abord, partage. Vous n'avez même pas atteint l'objectif du partage qui est de 200 partages. Parce que tout commence par là. Si vous avez atteint les partages, 200 partages, on allait atteindre le nombre de vues. Mais vous n'avez pas atteint même pour des 100 partages. Même pour des 100 partages, vous n'avez pas pu atteindre. Oui, oui, oui. Vous êtes là, vous faites commentaire. Si vous avez une personne partage dans 50 groupes, l'autre partage dans 50, ça y est, avec 4 personnes, on peut arriver, on peut atteindre les 200. Mais vous n'avez pas pu atteindre les 200. Donc là, d'abord, même vous avez échoué. Le nombre de vues, j'ai dit 300. Mais si j'avais vu que vous avez fait les 200 partages, même à 250 personnes connectées, j'allais faire le live. Donc là, vous avez échoué. Et toi-même là, zéro. Pour mettre quand même ses problèmes. Là, même pour mettre quand même ses zéro. Et puis vous voulez que moi, il fasse live avec 100 personnes. J'ai fait live avec 100 personnes lorsque je n'ai rien à faire. Même dans le noir. Peut-être que demain, on va atteindre, c'est le début de la semaine. Ah, que même début de la semaine, là, vous faites ça. Même, c'est pas le début de semaine. Même lundi, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il fait là lundi? Hein? Vous êtes devenu lourd. Vous avez un sale comportement maintenant. Donc, si vous avez un sale comportement, moi aussi, j'ai un sale comportement aussi. Voilà. En tout cas, ma monétisation va passer. Ça seulement, c'est sûr. Ça seulement, c'est sûr. Ma monétisation va passer. Voilà. Je range mes affaires. Je vais aller me laver et puis sortir. Voilà. On va voir quel béret vous allez faire aujourd'hui. On va voir. Il n'y a pas bon béret sur Internet. Il n'y a rien de bon. On va voir comment vous allez rire ce soir. Vous allez rire jaune. Vous allez rire jaune. Aujourd'hui, vous êtes apprêté comme ça pour venir dire que oui, on va réagir. Je n'aime rien. Demain, je reviens avec les voices. Oh, les voices, ils sont là. Ils étaient prêtes même. Voilà la voice là. C'est un voice de C. C'est un voice de C. Vous n'avez pas partagé, hein? Tu as partagé dans combien de groupes? Tu as partagé dans combien de groupes? Il a dit demain. Demain, revenez demain. Il est déjà filmé. Il est 33 même. Revenez demain. Voilà. Là, maintenant, on a 141 partages. On a combien? Ça y est? On a 143 vues. Moi, j'ai fait là, 143 vues. Même toi-même pour appuyer, toi, vous n'appuyez pas. Demain, là, vous allez attendre le nombre de personnes. Moi, j'ai fait live. C'est pas venu, c'est live dans le noir. Quand c'est live dans le noir, je m'en fous. Moi, il m'a soigné même mon visage. Il est venu mettre mon sérum teinté de chez Brigitte Skin pour bien me mettre comme ça. Puis vous allez me regarder. Vous n'avez rien fait. Ah, Tama. Je vais porter quoi même ce soir-même? Je vais voir ce que je vais porter. Restez là. Il a fini de me dépoiler là. Ah là, je vais me laver. Attends, je vais voir ce que je vais porter. Demain, j'ai fait le ménage. Et en voyage, ah, j'ai porté mon ensemble là. Oui, mon pantalon, j'ai dû me fourrer ce soir. Attends. Non, j'ai porté ça. J'ai porté le pantalon noir là. Oui, ça, je l'aime beaucoup. Le pantalon bas. Et puis, je vais mettre mes trucs là. Je sais pas que le pantalon, mais je mets quelque chose. La chemise guest là, c'est vraiment beau. Oui, la chemise guest là, ça va passer bien. Ça va passer bien. Voilà. J'ai porté ça. Voilà, ça fait. Ça fait ça, un petit truc. Voilà. Je porte mes sandales calmes, tranquille. Je mets mon manteau. Mon manteau Tony. Et c'est bon.
quel caleçon. J'ai apporté quel caleçon. Après, j'ai fouillé mon caleçon pour voir quel caleçon. Quel ensemble de caleçon j'ai apporté. Voilà, je mets ça en bas. Mon dessus de corps. Voilà. J'ai apporté quel caleçon. Le caleçon des caleçons. J'ai apporté mon caleçon avec pelle là. Voilà. Mon ensemble avec pelle là. Pourquoi j'ai porté mon tome? J'ai porté ça dessus. Voilà. Si je porte ça dessus, on va voir. Oui, c'est bon. Je n'ai pas porté mon manteau la nuit. Là. Non, il faut porter mon manteau parce que tu as marché un peu. Voilà. Donc, je vais mettre le manteau. Le manteau car. Voilà, le manteau. Le manteau Tommy. Mon caleçon avec pelle. Et puis, je vais prendre mon sac Jacob. Marc Jacob. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. Un truc léger ce soir. Voilà. Voilà. Et à moyen, demain, j'ai fait les cils. J'ai lavé. Vous êtes là. Ouais, Seigneur Jésus. Les enfants des gens. Vous êtes là, vous regardez encore. On dit live est fini. Vous pensez qu'elle est venue casser papa? On perd le temps. Voilà. La serviette dans la salle de bain. Ok. Attends, je vais mon pantalon est sale demain. Mon soutien aussi est sale. Mon dessous de corps est sale. Voilà. Et y'a moya, chérie, ayo. Et y'a moya, chérie, coco. Quand on se verra, oh, quand on se verra. Depuis que nous nous sommes quittés, oh. Je lève à toi, chérie, coco, et viens, oh. Je lève à toi, chérie, coco, et. Vous qui n'avez pas de gala, allez chercher le gala de Saint Valentin. Vous qui n'avez pas de gala, allez chercher le gala de Saint Valentin. Ah, je les gars, pour Saint Valentin. Vous n'êtes pas gars. Les 100 gars là. Attends, je vais mettre mes chaussures. Marque conseiller les ranger. Vous qui n'êtes pas gars là. Maman, oh, j'adore ma femme. Lé. Petit comme minutieux. Lé. Lolo, eh. Lolo, eh. Quelqu'un qui aime son corps que Sylvia. Et les soutiens, les soutiens me servent d'une manière. On dirait que je vais agrandir la taille de mes soutiens. Parce que ça me sert, puis ça me laisse des traces. Ça me sert grave. Oh, soutenez-moi parlant. Bon. Je vais me démaquiller et puis mettre ma lotion avant d'aller me laver. C'est de ça qu'il s'agit. Restez là, mais. Voilà, je vais faire mes trucs. Restez là. Je me démaquille et puis je mets ma lotion. Elle a où ma lotion? Ma lotion de visage. Elle, c'est dans la valise là. Seigneur Jésus. Je vais récupérer encore la valise. Trop tard. Trop tard. Et là, je suis vous pour mettre dessus. On dit là, il y a manque. Loup manque. On dit là, c'est loup manque de respect sur vous. Et Seigneur Jésus. Loup manque de respect sur vous. Et t'as mis des vêtements là. Loup manque de respect comme ça sur vous aujourd'hui. Jusqu'à vous mettre lâche. Ouais, maman, la veille. Le manque de respect comme ça, c'est ses amis des bêtes. Ouais, Seigneur Jésus. Il sort, il revient à minuit. Puis j'ai dormi.
Il fait tellement froid dans la ville de Genève là. Non, j'ai fait un gommage, c'est mieux. J'ai fait un gommage. Je vais pas mettre le son aujourd'hui. J'ai fait un gommage de visage. Pour un gommage de visage, comme ça là. Trop tard. Bon, je vais mettre dans la salle de bain pour continuer. Voilà. Restez là. Qui m'a écrit encore? Mets dans la salle de bain pour continuer. Ma machine, je vais salir.
Bonne nuit.